Bonjour à tous, je suis Vincent Hunan-Burger, consultant CRM Salesforce chez Seed, et aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser Salesforce avec l'outil collaboratif Slack. Donc pour rappel, Slack est une application de messagerie pour les entreprises qui connectent les personnes aux informations dont elles ont besoin à travers un espace de travail et différents canaux. Donc dans le cadre de l'exemple, on va imaginer que je suis manager et que je souhaite recevoir des informations concernant les opportunités ou les affaires si vous préférez. Dans le cadre de cet exemple-là, à chaque fois qu'une opportunité est gagnée, je suis manager, j'ai envie de savoir si mes commerciaux ont gagné une opportunité ou non. Et nous allons paramétrer ça dans Slack. Alors, lorsque vous arrivez sur l'outil, vous avez plusieurs items ici. Donc, ici, connecter Slack et Salesforce. Ici, vous pouvez rajouter des opportunités, les contacts que vous pouvez lier avec Slack. Vous êtes assez libre sur le sujet. Et je vais vous montrer comment créer une alerte spécifique. Donc, vous allez dans Edit. Là, je fais Nouvelle alerte. Je crée Opportunité gagnée. Je sélectionne à quelle entité je veux le rajouter, donc opportunité. Hop. Et bien évidemment, je veux que l'étape soit à fermer, gagner. On clique sur Finish afin de bien enregistrer. Et l'alerte est créée. Ici, je suis encore une fois manager. Je souhaite communiquer sur Slack avec mes équipes. Je peux rajouter deux boutons sur les pages de présentation du compte, d'une opportunité, qui va me permettre ici d'envoyer un message sur Slack ou qui va me permettre ici de gérer les alertes Slack comme je vous l'ai montré précédemment. Concernant donc la configuration du message d'automatisation, faites Edit. Donc ici, dans le cadre de la démo, je l'ai déjà créé. Et ensuite, vous devez faire un processus d'automatisation, donc ce sera plutôt l'apanage du consultant. Suite à la réalisation du processus d'automatisation, vous allez sur une opportunité, on va tester. Donc ici, vous voyez les deux boutons dont je vous parlais qui permettent, donc en tant que manager, d'envoyer un message ou de gérer vos alertes. Et on va marquer l'étape à fermer. Fermer, gagner, enregistrer. Et vous voyez ici qu'il est 10h51 et que j'ai bien reçu le message comme quoi l'opportunité est gagnée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.